Lorsqu'on regarde l'histoire du christianisme, je ne sais s'il faut rire ou en pleurer. On tombe sur des concepts, des idées pour le moins originales, entre guillemets, voire absurdement tristes aussi, bien souvent. C'est le cas du monachisme ou la vie de moine. Et je ne le dis pas pour insulter ceux qui ont fait ce choix. Simplement, si l'on connaît sa Bible, on sait que Jésus nous appelle à parler de lui au monde, lui qui envoyait ses disciples parler aux foules et non pas s'enfermer ou s'isoler dans des déserts ou des lieux clos. Comment annoncer au monde la bonne nouvelle de Christ si on se coupe de ce même monde ? Être chrétien, c'est être suiveur de Christ, donc imitateur de Jésus qui, lui, allait voir les gens, visitait des maisons, prêchait devant des foules et ne s'isolait que pour prier. Les origines du monachisme sont des fragments d'histoire d'hommes qui ont voulu prouver leurs convictions personnelles plutôt que bibliques. Je dirais pour moi que, si je puis donner mon avis, évidemment, je dirais qu'ils affichaient une volonté maladive de se compliquer l'existence en voulant présenter au monde un christianisme dur et tordu qui, plutôt que d'annoncer Christ et son amour et être porteur d'espoir, était synonyme de souffrance et de réclusion. Et de quelle souffrance parlons-nous ? De souffrances physiques et mentales inutiles, infligées par eux-mêmes. Nous allons remonter dans le temps et comprendre les origines du monachisme, pourquoi les moines et la vie de moine, quel en était le but et est-ce vraiment biblique ? Comment vivent les moines de nos jours ? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestecrit.com et je vous embarque dans un voyage dans le temps dans notre rubrique culture « Il est bon de savoir ». Alors, c'est quoi le monachisme ? Définissons premièrement la chose avant de nous embarquer dans notre machine à remonter dans le temps. Le monachisme, c'est le fait de vivre seul. Un moine, c'est celui qui vit seul pour pratiquer sa foi chrétienne. Si je puis le résumer ainsi, on ne trouve pas ce principe uniquement chez les chrétiens, mais dans d'autres religions aussi, comme dans le bouddhisme par exemple. Il semblerait que ce mode de vie ne soit pas emprunté aux autres religions, mais trouverait sa source dans la Bible. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce serait la mise en pratique de la parole du Christ dans Matthieu 16, 24, qui dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Encore un verset sorti de son contexte et dont le sens n'est aucunement celui de l'isolation ou de la réclusion pour vivre sa foi. On parle aussi du livre des Actes où les chrétiens vivent en mettant tout leur bien en commun. Ici encore, la Bible ne dit pas que ces chrétiens vivaient isolés du reste du monde. En réalité, la première idée qui animait les précurseurs de ce mouvement n'était pas complètement mauvaise. Ils avaient remarqué que l'Église devenait de plus en plus mondaine et voulaient se mettre à part pour se reconnecter avec Dieu. Simplement, au fil des années, ces groupes de personnes se sont renfermés sur eux-mêmes, oubliant que le message de Jésus n'a jamais été de se couper du monde. Et en se coupant du monde, ils se sont centrés sur leur propre salut, leur propre nombril, oubliant la mission du disciple qui est de diffuser la parole au plus grand nombre et la nature du chrétien qui est tourné sur les autres et non sur lui-même. Le monachisme chrétien prend son essor au IVe siècle. Il y a tout d'abord eu des ermites comme Saint Antoine qui s'est mis dans la tête qu'il ne pouvait vivre sa chrétienté que loin du monde. Il s'est donc éloigné dans un désert en Égypte, dans l'espoir d'y être seul. Mais malheureusement, d'autres chrétiens, fans de l'idée, l'y ont rejoint, à son grand désarroi, paraît-il. Lorsqu'il décède, sa biographie rédigée après sa mort présente son mode de vie comme un mode de vie idéal. Beaucoup de moines avant lui vivaient déjà isolés dans des villages, mais encore aucun n'avait essayé le concept du désert. Il est donc le précurseur d'une nouvelle tendance qui pousse les moines à se couper de la société de manière assez radicale. Un autre encore, nommé Siméon Stylite, ou Siméon le Stylite, je trouve les deux sur Internet, donc voilà, je ne sais pas trop.
Stimeon, le stylite, je pense, a été encore plus original. Il aurait cartonné sur les réseaux sociaux. Il a habité sur une colonne de près de 20 mètres pendant 37 ans. Alors, dans un livre que je lis en ce moment, je trouve plutôt 60 ans. Mais bon, peu importe, en tout cas, il va vivre de nombreuses années sur une colonne. Il aurait même passé une année debout sur une jambe pour montrer au monde que la vie chrétienne était dure. Bon, je ne pense pas qu'il soit resté sur une jambe debout sans bouger pendant un an. En tout cas, il a une histoire assez particulière que je vous invite à rechercher, découvrir, si ça vous intéresse. Donc voilà, je ne vais citer que ces deux exemples-là, puisqu'ils sont assez connus, même très connus. Il y a deux types de moines, ceux qui vivent dans la solitude totale et ceux qui vivent dans la solitude mitigée, c'est-à-dire en rencontrant d'autres solitaires comme eux. Donc, à part la forme de monachisme qui est celle de vivre seul, de s'isoler seul, il y a également le monachisme de groupe avec l'existence des monastères. Le principe est le même, des chrétiens décident que l'Église est trop mondaine. Quand je dis mondaine, je dis qu'elle se conforme un peu trop au monde, à la société, plus qu'aux principes de la Bible, plus aux principes de Dieu. Eh bien, ces personnes se disent, eh bien, regroupons-nous, vivons ensemble et redécouvrons ensemble le vrai christianisme. L'origine du monastère remonte à Saint Pacôme, qui va s'installer dans un village d'Égypte où il sera rejoint par d'autres chrétiens. Ils formeront ensemble une communauté dont la vie est rythmée par la prière, le jeûne, l'abstention, le partage des biens. Après sa mort, il existait 9 couvents d'hommes et 2 de femmes. En Occident, le monachisme prend son essor dans la deuxième moitié du IVe siècle, puisque ceux-ci pratiquaient plutôt la vie de moine en solitaire, avec l'abstinence, le fait de garder sa virginité, le jeûne, ils faisaient aussi vœux de pauvreté. C'est avec le voyage des pèlerins que le récit de la vie des moines égyptiens va arriver en Occident et va susciter leur admiration, puis leur imitation. Aujourd'hui, les monastères existent encore et les moines et moniales, pour les femmes, vivent de manière recluse au même endroit, consacrant leur vie entièrement à Dieu. Ils subviennent à leurs propres besoins, ils vivent souvent de leur propre culture. De nos jours, les moines ne sont plus très visibles dans les sociétés occidentales. Ils sont plutôt isolés, voire ignorés. En tout cas, ils sont plutôt dans les campagnes. On ne les voit plus vraiment dans les villes. Bref, pour faire court, sans vouloir remettre en cause la sincérité de tous ces moines, on a quand même l'impression que tout ce beau monde devait s'ennuyer avec la fin des grandes persécutions et il leur fallait trouver d'autres formes de combat. Et ils ont donc choisi de combattre contre eux-mêmes, contre leur propre chair, avec le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, la vie recluse et j'en passe. L'homme est un animal social, il n'est pas fait pour vivre seul ni enfermé, mais cela est un autre débat. Une chose est certaine, c'est que ce mouvement de moines a participé à créer une sorte de division entre les chrétiens. Une idée que je pense a perduré pendant pas mal de siècles, avec des super chrétiens d'un côté, capables de s'abstenir et de vivre vierge entre quatre murs et sans mariage, puis les autres chrétiens normaux, mondains, entre guillemets, vivant dans le monde qui, eux, se marient et côtoient les vices de la société. On voit bien que tout ce mouvement n'a rien de bien chrétien. Jésus est resté dans le désert 40 jours et pas 40 ans. La famille et le mariage sont des thèmes très présents et importants dans la pensée de Dieu. Paul, qui lui n'était pas marié, n'a jamais été contre le mariage. Il a même écrit à ce sujet. J'ai connu une personne qui voulait être prêtre catholique, mais attendait que le pape légalise le mariage des prêtres. C'est dire à quel point tout cela est bien loin de Dieu, car où il y a confusion, il n'y a pas sa vision. Voilà pour aujourd'hui, c'était court. Je vous invite à vous informer sur ce sujet si vous voulez en savoir plus. J'espère que vous avez appris
quelque chose. Sinon, eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao !